na yo liboso na mona o pesa mutu makambo te to pesa mutu sou lumière te ba jakala e o diembela ka batu fali ko sela ka binote bino bo diembela ka e solo ki dati fali ti bino bo te dati ah o pesa mutu makambo te to pesa mutu sou lumière te ba jakala e o diembela ka batu fali ko sela ka binote bino bo diembela ka e solo ki dati fali ti bino bo te dati ah. Alors ça sert à rien de comparer Fer et Fali. Non, ça n'a jamais. Parce que comparer Fer et Fali, ils ont opé ça des avantages dans Fer. Ferré, on a grandeur na yena ndenge na ye. Fali, on a grandeur na yepe ndenge na ye. Tous en a bango mibale ba tête d'affiche, moto na moto sa misiki na ye. Force qui m'arrêtera,
Exacté. Parce que quand tu as confiance, nous te faut dans la confiance en soi. Et nous, on a une confiance dans la banque. Si on a tenu un message dans 2006, au fond, on a eu le téléphone, tu vas retrouver le même gars qui t'avait envoyé un message en 2006. Lélo, en 2021. Je ne suis pas comme les autres. 2006, il dit A. 2018, 2007, il dit B. 2020, il dit C. 2021, il dit Z. Je reste fidèle à l'idéologie, à la détermination, à la boulot. Et puis, je dis que nous avons mené à la paix, à la moutou, dans le yo. Yo faut à la boue, yo faut à la boue. Aïna binote, à vous préférez les gangaï. Salut les warriors, salut les fans de la bonne musique, salutations également à tous mes abonnés. Continuez toujours de vous abonner sur Free TV Caprice de Jerison et sur JS Canal 2, ma deuxième chaîne. C'est tout à fait gratuit. Vous ne perdrez aucun sou. Alors, nous avons informé tous les warriors et tous les fans de la bonne musique que ma billetterie physique est déjà ouverte sur toute l'étendue de la capitale. Nous avons informé tous les warriors et tous les fans de la bonne musique que la billetterie physique est déjà ouverte sur toute l'étendue de la capitale pour les 48 heures au Stade des Martyrs avec Fally Ipupa Aigle les 10 et les 11 août. Bukosomba Yango na ba station Total Énergie. Na Katia Kin. 5000 francs congolais pour tous les deux jours. Oyo ayebi kosomba en ligne, pas de souci. Oyo ayebite a kenna n'importe quelle station Total Énergie à cause bien naï. Bien. Bisonyo soto yebi ke il fallait tout 207 comme prévu. 207 ozali nzembo otozo zela ya Fally Ipupa Aigle. Il fallait ebima le 17, pardon, le 19 vendredi. Oui, ça l'a dit. Comme prévu. Mais hélas, phénomène non wifi et quoi. Non wifi. Fally aboyi kokabola succès na yena mout. Tout le bagabo dembe la Fally boyanganak. Fally abeta stade des martyrs. Fere ipupa petit Fally de Bovin. Aye kobeta. Fally abeti ba arena. Fere ipupa petit Fally de Bova. A luki ba arena mike po esa la mwa toa date sa la yepe sa mwa trilogie. Ye pa ya beti. Fally ate double stade de martyr. Na mwa but. Fere ipupa petit de Bova. Petit Fally de Bova. Yepe aye double tata Rafael. Kaka na mwa but. Fally azo bimisa nzembo na ye 207 vendredi 19 ning za ki previous parce que j'annonce bien avant. Oh. Petit Fally de Bova. Fere ipupa. Yepe aye kaka na même date a annoncé 24 heures avant ya Fally ebima. Yepe annoncé o ya ye écologie. Et Fally a lancé no wifi. Bagola basiliki. Ou basiliki nini. Et basiliki nini. Donc vous comprenez que Fally a été jet du corps. Ah! Écologie, les canaux, wawara! Et tu as yoré la natoile. Fally a maîtrisé à Kangi Wifi naï. A boy nous partager succès dans mout. Alors, pas trop de commentaires. Nous allons divertir bien tout en écoutant ce que disent les autres. Fally y a mon copé à pessi matière. Toland. Silence.
suis défunt. Aux amis bali bunda, aux amis bali luka, ni mi bali balukaka. Moussala na yeko niembe la ko niembe la fali, ko niembe le leki, de sensei tito poussi yango, ebi masou le loti, le 19, ebi ma le 26, non wifi, trop c'est trop. Toko pesa moutou makambute, toko pesa moutou sou lumière te, baja kala, yako diembe la rabatu, fali yako se la rabino tiens, bilobo diembe la rae. Selon qui date, il fallait que tu me tiennes date. Ah! Il y a rien à vous attendre. Il y a Paris la défense. Il y a OFO pour vous attendre. Il y a ING pour vous attendre. Toquez par Nantes. Toquez par Lille. Faut tchatch. N'importe quoi. Ton père, ça ne se soucie pas. Ma cambouté. Ma cambouté, ça se soucie. Mon dieu, c'est ton bouddha. Il fallait à mon bal. Moi, mon bal avant que tu me battes. Allez, maman, qui tu me battes. Voilà, on profite. Tiens. Papa, on va profiter. Non, tu n'as pas profité. On va profiter de Mbela. Mais c'est qu'il y a un bête. Mais c'est qu'il y a un bête. Personne ne s'en fout de ma cambouté. Pas de ma cambouté, personne ne s'en fout de ma cambouté. Personne ne s'en fout de ma cambouté. Tiens. Rendez-vous. Marseille, Lille. Moi, le président d'homme. Mbogaba Selal Manzolo. Mbogaba Maître Louwetu Cédric Mandembo. Après Toki Nantes. Bientôt double stade. Double stade. Les 10 et les 11. Double stade. Les 10 et les 11. Parce que moi, donc, jusqu'à là, quelque part, je pense que bon, pourquoi ça dit que 80 millions d'habitants sont le Bakumamoutumo. Allez-y comprendre. Mais en même temps, ça dit que 80 millions d'habitants sont le Bakumamoutumo. Allez-y comprendre. Mais en même temps,
apesi des dates. Na des dates wana bonanga na bien un concert improvisé. Faire quoi à l'habitude d'improviser pas concert naï, mais à préparer un motif. Na habitude à l'ouvrir à chier bah qui il est tout à l'ingar à salanim. Parce que les artistes professionnels, tout ce qui est professionnel, ils ont toujours la préparation. Et puis il faut qu'on annonce en haut des mois avant pour la battre faire go la la qui na Europe a petit concert ya Adidas Arena a petit concert ya Genève Arena a qui a fait na Europe l'artiste a un problème le problème de la de l'artiste comme on a besoin faire go la oh tu y es bien Ozali a un problème il y a improvisation, il y a un concert et puis un problème de l'organisation interne. Organiser interne et faire rigolo, il sera pédé ma capacité et foutra trop. Concert à Rotana, il y a des passés faire rigolo et foutra. Faire la paix sur des dates, Adidas Arena, Genève Arena, à Fanny. Après, il y a un Kinshasa. Tu es bien qui fait rigolo, il y a Kinshasa. Chaleur, il y a Genève. Chaleur et Adidas, en tout cas, et quoi accompagner la débat de Pessa Gibiso, na Rotana, na Shark Clay. Fait le goût là, Silas Radio. Fait le goût là, Sali, point de presse. Par rapport à concert, il y a Rotana. Concert, il y a Rotana, c'est comme si on y en est passé. Et puis ça, il fait rigolo la maillée, l'été, comment avoir exploité. Deuxième concerné à Rotana. C'est comme si il voulait qu'il le côté. C'est comme si, à mon avis, on aura normal. C'est comme si il fait des choses à conseiller. À ça, la caca pour, bah, mon ami, mais on se va conseiller à tes pots éthiques là. Topo, à cause ça fait chicon. Si aujourd'hui les gens disent qu'il fait rigolo là, à poli à domicile, moi je dirais oui. Les fanatiques ont raison par rapport à ce qu'on fait rigolo là, à poli à domicile. À poli à domicile. Poli à domicile parce que concert il a fait la scène à Rotana concert à Moko fiasco donc il n'y avait pas de personnes et faire à Yemi ma belle au col à l'icamoussou sous l'enfer à Yemba Bomoti l'artiste il était déçu il y a comment n'est ni ma fanatique baïté ou l'artiste il n'était pas préparé il y a aussi le concert au col à Rotana ma conseil à Rotana pour la rousse à l'amour la première des choses faut dans l'agenda en Bokanaïo. Faut l'artiste est pas au entretenir ma relation avec malamou n'a pas homme d'affaires parce qu'il a quitté ça n'a pas mis le la bonne musique ou pas l'ingaga VIP mais la carrière il a fait rigolo déjà si c'est 20 ans ou c'est pas moi il a fait combien de concerts VIP na Gombe n'a pas ma somme ou exorbitant est-ce que les 4 à 7 ou 5 ceux de qui 5 ont un espace commentaire. Mais ma concert, on va arriver à Rotana. Ils allaient différents. Dans ma concert, on va faire la bête à l'ambassade et Marty. Ils allaient différents. Mais Agena, il a fait rigolo. Agena, il a fait rigolo. Ils allaient qu'on réponde à Misson Nini. Classe Nini, on va faire rigolo. Il y a une petite chasse dans la bango, dans la musique. Parce qu'ils allaient qu'on définir dans ma concert VIP, on va artiste, on va faire bête. Pour la comprendre, les artistes, on va dans la classe, on va élever. Et on va dans la concert VIP, on va faire sa mission. Et vous voyez, la concert, hein? Pour la preuve que non, il y a des hautes personnalités, bah, dans l'artiste, la biso, à ta concert VIP, à ta billet, 30, 300 dollars, donc vous voyez, bah, que non, il y a des personnalités qui suivent l'artiste. Mais l'élo, avec concert, fait quoi, dans Rotana? Tu vas que non, fait quoi, dans la gêne, amoureux, costaud, aux alentours, là, est-ce que fait quoi, dans la commune, la biso, dans la classe, moro, pour élever, ou bah, dans la musique, ne pas au cacaï? C'est qui fait rigolo à Lilo, il y a un problème. Il y a un bête à concert. La place de roi à Gombe. Déjà pour la première fois, il y a un concert à Gombe, à Rotana. Et puis ça, résultat, il y a ma bête. Si c'était moi, j'allais préparer la conséquence. Je vais laver mon salaire qui est bosso. Je vais l'ongoler un mot comme ça. Je vais tirer un sika. Je vais la sorte qui est sauvée. Je vais aller bosso. Mais je dirais, oh, il y a un bosso. Et quand la plumier qui est oh, il y a un balai. Pensez-vous qu'il y a un qui n'a pas de fiasco, mais il y a Sima, mais il y a un corrigé, il y a Sima. Il y a un bosso, il y a un fiasco, mais il y a un bosso. Il y a un fiasco, mais il y a un bosso.
obtenu 80 visas. Tout d'abord, vous devez savoir que Ferré accuse Fally Ipupa d'être derrière les refus de ses visas et il a fait appel à plusieurs journalistes et chroniqueurs pour leur expliquer la situation. Selon lui, Fally et son équipe des doubles SIM avaient envoyé des vidéos où Virginie, Gouve le Gaulois, Maki Yaours et Liteya s'attaquaient à la communauté des doubles SIM. Et puisque Fally fait partie de la communauté des doubles SIM, il a demandé à ses collègues doubles SIM de refuser des visas à Ferregola afin que son concert soit annulé. Selon Ferregola, toutes les personnes qui travaillent à l'ambassade sont des doubles SIM comme Fally et donc c'était un complot entre les doubles SIM. Comment un artiste soi-disant professionnel comme Ferregola peut affirmer que Fally est un double SIM sans preuve? Donc Fally est devenu l'homme le plus puissant au Congo pour interdire à l'ambassade d'octroyer des visas à ses collègues musiciens? Fally n'a pas un mot à dire à l'ambassade, même le président de la République ne peut pas intimider l'ambassade pour interdire des visas à une personne quelconque. L'ambassade n'est pas un bien privé où tout le monde peut venir donner des ordres et être obéi à la lettre. D'après l'analyse de la situation, Fally n'a rien à voir avec le refus des visas de Ferré et il suffit d'entendre parler ses proches pour comprendre qu'il invente cette histoire afin d'accuser Fally injustement dans l'objectif de camoufler leur incompétence. Tonton Promo, qui est l'un des moutons de Ferregola, nous a dit que c'est grâce à Werrason que trois des musiciens de Ferregola ont obtenu des visas car l'ambassadrice est locataire dans l'une des résidences de Werrason au Congo. Ce même Tonton Promo nous affirme que Fally Ipupa était à l'origine des refus de Werrason lorsqu'il voulait se produire en France. Alors comment se fait-il que pendant cette période, Werra n'avait aucun mot à dire sur l'obtention des visas de ses propres musiciens? Mais comment se fait-il autour de Ferregola il a trouvé une solution? Il a aussi affirmé que c'est à cause de lui que Héritier était obligé de passer par la Grèce, car il avait eu des refus des visas de la France à cause de Fally. Bref, les refus des visas de Ferré n'ont rien à voir avec Fally Ipupa, mais plutôt les critères non remplis d'octroi des visas. Ils avaient fait le dépôt à l'ambassade le 4, et ils ont eu quelques visas seulement le 17, car pendant cet intervalle, Ferré était incapable de compléter les justificatifs financiers qui lui avaient été demandés à l'ambassade. Pour avoir les visas de la France pour une production scénique, il faut respecter plusieurs critères, surtout lorsque l'artiste veut voyager avec plus de 80 personnes. Il y a plusieurs critères à remplir. En numéro 1, nous avons le volet financier. En numéro 2, le volet logement. En numéro 3, les justificatifs de production scénique, plus la capacité de la salle. Et en numéro 4, la preuve de la vente des billets au moins à 50%. Dans le volet financier, l'artiste et son équipe doivent prouver à l'ambassade qu'ils sont solvables afin de subvenir aux besoins des 80 personnes qui seront à leur charge. Et dans le cas où l'artiste a un producteur, c'est au producteur de faire toutes ses démarches en fournissant ses relevés bancaires et un blocage de compte d'une valeur minimum de 1000 euros par personne en cas d'une demande de visa d'une durée d'un mois. Malheureusement, pour le cas de Ferré, il fait de l'autoproduction avec Christian Igani, et tous les Congolais savent que Christian Igani est un voleur qui détourne l'argent des retraités congolais, et pour ne pas se faire attraper par la justice, il ne garde pas cet argent en banque. Il est donc impossible de justifier le côté de solvabilité bancaire, car à part les 80 000 euros de solvabilité obligatoire, il faudrait que l'artiste donne une garantie de 800 000 euros à l'ambassade pour garantir à l'ambassade que les 80 personnes qui accompagneront l'artiste vont revenir sans prendre la fuite en France. Pour le volet logement, l'ambassade doit avoir un contrat de bail ou une réservation d'hôtel pour le groupe de 80 personnes, avec une preuve de paiement. Malheureusement pour Ferré et son équipe, ils n'étaient pas prêts à le faire, car la rentabilité du concert est faible, donc il était impossible de dépenser cet argent inutilement. Sur le volet production scénique, l'artiste doit prouver avec contrat à l'appui qu'il a une production en Europe et que les billets ont été vendus au moins à 50%. Malheureusement pour Ferré, les ventes de ces billets ne sont pas traçables, car ils ont été vendus d'une manière archaïque et d'autres ont été distribués dans des restaurants. Toutes les personnes qui accusent Fally font exprès de ne pas utiliser leur cerveau correctement, car tout est devant leurs yeux, il suffit de se poser les bonnes questions. Un concert qui rapporte moins que ce qui a été dépensé ne peut jamais motiver l'artiste d'investir dans la promotion ou de se faire accompagner par plus de 80 personnes. Donc vous avez la réponse sur le petit nombre des visas obtenus par Ferré, le mec n'est pas solvable. Et il était conscient que faire venir 80 personnes n'est pas rentable pour lui, et pour camoufler le nombre réduit de ses visas, il accuse Fally Ipupa, afin de détourner l'attention sur le manque de confiance qu'il a envers Virginie, Liteya et Gouve le Gaulois, car il sait très bien qu'à leur arrivée en France ils vont prendre la fuite depuis l'aéroport, surtout Virginie. Lorsqu'on vous dit que soutenir Ferré t'oblige à perdre tes facultés intellectuelles, vous croyez que c'est un mensonge. Aujourd'hui vous comprenez maintenant? Car voir un taureau comme Marc Tabou impliquer Fally dans les bêtises de Ferregola, je trouve ça aberrant. Revenons sur le mouton de Héra.
Ce mouton nous a affirmé qu'il avait reçu l'information venant de l'ambassade selon laquelle Ferré avait obtenu plus de 80 visas. Malheureusement, ces affirmations semblent être fausses, car jusqu'à aujourd'hui Ferré n'a obtenu que 7 visas. Peut-on dire que Ferré s'est vu retirer 73 visas qui lui avaient été octroyés? Ou peut-être qu'il n'est pas crédible? S'il s'agit de la crédibilité, nous allons donc nous permettre de dire que Gaz Fabulous est plus crédible que Ferré Gola, car ce jeune talent a obtenu des visas à entrée multiples de plus de 4 ans. Je ne pense pas qu'il s'agit de la crédibilité, mais plutôt de la garantie qui lui avait été demandée à l'ambassade. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une époque où Fali avait donné les documents de ses biens immobiliers à l'ambassade comme garantie afin que l'ambassade puisse l'octroyer des visas. Et depuis ce jour, Fali a une certaine facilité d'obtenir des visas car il a compris comment constituer un dossier en béton. Alors, Ferré avait-il rempli tous les critères qui lui avaient été demandés? La réponse est non. Aujourd'hui, Ferré accuse Fali Ipupa d'être derrière son refus des visas pour camoufler son incompétence. Il faudrait savoir que l'obtention du visa américain est différent des visas français, car chaque pays a ses critères d'obtention des visas. Remporte la meilleure performance au Afro Nation en Portugal avec 51% devant Nicki Minaj 15%, Rema 10%. Bravo Aigle, la fierté de la RDC, Fali Ipupa, le vrai défenseur de la musique congolaise dans le monde. Bravo Aigle, Moana, Mboka. Les Gaulois réclament l'arrestation de Fali Ipupa pour avoir arnaqué le public au festival Afro Nation. Pour eux, Aigle n'est pas un chanteur. Pure arnaque, il faut bacangailler. La star internationale, Fali Ipupa, bloque Afro Nation en Portugal avec Original, une prestation XXXL, c'est du jamais vu. Nicki Minaj, Rema et tous les autres. Kao Bosakanaka, Na Aigleman Noir et Betty Bango, Fali Abeti. Niklet Mujinga, connu sous le nom de Nicki Minaj. Dans un sondage réalisé par une chaîne YouTube nommée Festival World, les meilleurs artistes ayant performé au festival Afro Nation au Portugal ont été classés. Parmi eux se trouvaient Asake, Fali Ipupa, Flavour, Nicki Minaj et Rema. Un internaute anglophone a commenté ainsi, Fali Ipupa, avez-vous écouté le live en dansant et en chantant? Personne dans cette liste ne peut le faire comme Fali. On peut également voir que, dans le sondage, le digne fils du Congo Fali Ipupa domine avec 51%, suivi de la superstar américaine Nicki Minaj avec 16%, puis la star nigériane Flavour avec 12%, Asake avec 11% et Rema avec 10%. Malgré la présence de la superstar américaine Niklet Mujinga, connue sous le nom de Nicki Minaj, le fils digne de l'Afrique, Fali Ipupa, qui contrôle l'actualité du festival Afro Nation, qui se déroule actuellement au Portugal, n'a pas laissé sans meilleure place. Urgence est, officiel Fali Ipupa remporte la meilleure performance au Afro Nation en Portugal avec 51% devant Nicki Minaj 15%, Rema 10%. Bravo Aigle, la fierté de la RDC, Fali Ipupa, le vrai défenseur de la musique congolaise dans le monde. Tech, Youssou N'Dour et autres ont fait l'éloge de Fali Ipupa dans son nouveau documentaire. Avant qu'on explique en détail, cliquez sur le bouton j'aime et abonne-toi. L'artiste musicien congolais Fali Ipupa, devenu la star de la musique congolaise, a été honoré par la chaîne de la télévision française Canal+, qui a réalisé le premier documentaire sur sa carrière musicale. Dans ce documentaire de plus d'une heure du temps, intitulé « Fali Ipupa, une success story moderne », le hitmaker congolais est célébré presque par toutes les vedettes de la musique urbaine française et étrangère, en commençant par Dadju, Taïk, Youssou N'Dour et autres, avec une pluie de témoignages sur son côté artistique, sur cet élément qui retrace que les plus grands moments de ses 20 ans de carrière, de Bandal jusqu'à Paris. Fali Ipupa est devenu l'icône de la musique congolaise et africaine, comme a témoigné
Youssou N'Dour, Fally Ipupa, est un mélodiste d'hors pair. C'est un artiste qui a su s'adapter. Il y a des artistes de son âge qui n'ont pas réussi à s'adapter avec les nouvelles influences, a souligné Taïk. C'est un modèle de réussite, c'est un modèle dans plusieurs choses, c'est une big star, a dit Gradur, c'est notre représentant à l'international, dit Keblack. Avant que son compère NASA ne lâche, c'est la star du Congo. Sans pour autant dire beaucoup de choses sur la star congolaise, Fally Ipupa, avec sa carrière musicale qui reste jusqu'à présent une école, un livre pour la vie de plus artistes du continent et du pays, Dadju souligne que la longévité de la carrière musicale de son aîné est du génie. Il a un talent fou, il a un talent monstre. J'ai dit une fois que c'est difficile de perdurer. Il y a beaucoup de gens qui percent, mais sur 2 jusqu'à 20 ans de carrière, c'est plus une question de talent. Ça relève d'autre chose, c'est du génie, reconnaît grandement Dadju. Un documentaire attrayant qui a ouvert l'appétit. Mais bon, la carrière de Fally Ipupa est tellement immense qu'on ne peut pas la raconter dans un documentaire d'une heure. Lui, c'est Fally Ipupa, de son vrai nom Fally Ipupa Nsimba, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, est un auteur, compositeur, interprète, danseur et producteur congolais. Il est ambassadeur de l'UNICEF. Fally Ipupa passe son enfance dans la commune de Bandalengwa, intégrée à Kinshasa. Il y grandit au milieu des nombreuses boîtes de nuit, bars et terrasses qui envahissent la ville. Il y découvre les musiques du groupe emblématique de l'époque, Wenge Musica. Parlant des artistes les plus titrés en Afrique, Fally Ipupa est le premier artiste africain dont le disque d'or a été certifié par le SNEP en 2007. En tête du classement, Fally Ipupa est le roi de la musique congolaise avec plus de 201 millions d'écoutes. Fally Ipupa dispose d'une fortune estimée à 13,6 millions de dollars en moyenne sur le web, ce qui fait de lui l'artiste le plus riche d'Afrique. Le chanteur congolais est aujourd'hui un vedette de l'industrie musicale africaine sur la scène internationale. Selon toi, quel autre artiste africain peut s'égaler à lui? Ta réponse en commentaire. Et abonne-toi. Lui, elle est ma lumière. Fally Ipupa, c'est une superstar. Hein. Il est kinois, donc de Kinshasa, hein, congolais. Et il a été, c'est sans doute la plus grande superstar en Afrique francophone aujourd'hui, qui vivent toujours en Afrique, pas comme Angélique Kidjo qui est partie vivre aux États-Unis. Jeune Afrique l'a classé parmi les 50 personnalités africaines les plus importantes et influentes. Il est le sixième artiste africain le plus riche dans les derniers classements, et c'est un véritable phénomène. Il joue dans la série River Hotel, hein, qui a été diffusée sur les antennes de TV5 Monde il y a 2 ans, et que vous pouvez voir parmi les 50 personnalités africaines les plus importantes et influentes. Il est le sixième artiste africain le plus riche dans les derniers classements, et c'est un véritable phénomène. C'est difficile pour lui de se produire à Bruxelles parce que les opposants congolais lui reprochent de ne pas suffisamment s'opposer, hein, au régime de Kabila et maintenant de Tshisekedi, mais il se produit aux États-Unis, il se produit dans le monde entier. C'est une superstar absolument considérable, et vous l'avez dit, qui chante dans plusieurs langues, mais notamment le lingala, qui est sa langue natale. Nombre de collaborations. Alors, il a fait 6 albums solo, il a fait 6 albums avec Quartier Latin International et Sophie Olomide, vous l'avez dit. Il a fait des pubs pour il a chanté pour des pubs pour une grande marque de boissons rouge et blanche. Il a été voilà. Il a été dans l'Afrique a un incroyable talent. C'est hallucinant, faut lire. C'est avec un véritable succès, parce que ça marche et ça marche bien au-delà. Il a 140 millions de vues sur YouTube avec 2 titres, je crois, un avec Yana Kamura et notre expert du succès, c'est Laurent. Mais attendez, je vais vous faire pâlir de jalousie. Plus de 3 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Vous regardez le site.
Sony Namawa, vraiment. Openeza Sony Namawa, Sony Mokonga na Soyuka. En tout cas, vraiment, la kanye mouté mon ami, non. Na na sala ra vidéo. Pande kuna nga yi fè rigou la zo souffrir ma kasi pou na komba Fally Ipupa. Fally Ipupa a tchè concert le 10, le 11 août. Fè rigou la a yi le 3, le 4 na tata Raphaël. Don so tali benage vi a fè rigou la ala na ra Fally. Si kon yo ala na pe Fally men, a zo sa pe ka maramo bien ti. Fally so tchè dat ya sorti a clip na ye, yi be fwa tchara men pou... Concurrence est là. Non, la musique est là, bon, actuellement. On est là, tant j'y ben à ouera. On est là, m'soussou, oh, faire azo et bâtir ça qui. Monde est déjà évoluant en marambo. Créer ya yo. Zala l'esprit, ouais, pour créer marambo. Du fait qu'on l'a n'a fallu trop, donc, on commis ça y est, mon nene n'a qu'à t'amouté manao. On m'a pas fan, y a fait rigole, on m'a fait rigole, danger. Mais fait rigole, y a mouko, azo moun a fallu le quoi, n'zambé. Or que yo mo so créer lien na yo ou créer ba stratégie na yo maka mweza na mo pepele ya wala kulanda ka muninga boye na musique mamba Fally na ya bato l'autre côté et comme il okola nzambe na satan to Fally za lo nzambe ba tusu ba lo satan il faut oyé ba marqué satan za mapé matate na bato yé to yo ka pe satan pe sa bato pa kisi satan pe sa bato pa kisi a comme sa bato pe bato mbo. Donc, tout ce qu'il fallait au sein de l'eau pour la rebondissage. Mais, il y a un moment où on a eu Sabine Aro. On a fait la chance de la vie à ta salle forte. Il fallait avoir des carrières. À ça, la carrière, il y a eu un temps qu'il fallait. À ça, la carrière, il y a eu une affaire. Ah bon? Fallait faire des carrières. Fallait tant à Bessie par Stade de Martyr, si à Bessie par Paris, la défense, faire et payer, à saler ma concert, n'est qu'à Nassimon, mon temps Fally, voilà. Si qu'on, tant que qu'en Suisse, au moins les concerts en Suisse, c'est ça, malé les poignets. Et là, c'est un peu là-bas, bah, chroniqué, bah, j'ai une bonne montée pour l'anime. C'est ça que, parce que Fally, là, ma Bessie concerté. Ah bon? Le rôle à Fally, là, ma Bessie, c'est, faire et payer, moi, y'a Bessie, t'en aille, concert, on a Malonga, et vous en avez dit. Ah! Je comprends. Donc, Fally a même quand tu as vu, même dans le sport, tant que champion, on va à la carte. Parce que tant que tu as vu, 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 tu as vu. Donc, des fois, Fally Zara, parce qu'il y a un champion, mais si quoi, Hervé, Aza, le coup, la moto, si quoi, bon, il savait qu'un bon, caca, vous avez un champion. Ok, ma musique, vous avez un problème. On se comprend. Alors, l'avantage à faire, déjà, à ta salle, la répétition, t'es, à ta salle, l'autre côté, on y a surtout Fally Zara, ça, là, la faire et la carte. Ah! Bon, très vanille, hein. Fally Zara, t'as son mime, t'as dit, t'as dit, t'as. On m'a dit, Fally, t'as son mime, c'est des tactiques. Faire à t'as son mime, Mazda. Parce que là, on va voir Mazda. Où est-ce que Mazda, moi, mon bout, t'as qu'un bras, on a fait la cala. Et ça, Mazda, collection. Moi, je me suis dit, on m'a dit, il y a un moment où il fallait que parce que ça a des carrières. C'est le soir Fally le Cameroun. N'est-ce pas dans ce Suisse là. C'est pas Simbi. Bon, le bagot fait avec Simbi parce qu'il y a un moment danger. Parce que... Mais ce qu'il fallait Fally le Cameroun. Parce qu'il y a un Magyata. Mais on peut éviter Magyata. La 1964 Magyata. Avec Tara dans la Brésil, contrairement à ce qu'on fera. C'est le cas qui fait ces choses, personne n'est là pour le bateau, il peut faire à Sali, et c'est ça la moi déjà placé. Nous, on se fallait au Sala, bah, voyons la moto, c'est à Sala.
Il y a avantage à faire une zawana. La vie n'a yé, faire à ça réforme parce qu'il fallait faire la double carrière. Il fallait faire la carrière, il y a eu beaucoup plus la carrière à faire. Oui, bonjour, quand va bien? Alors, na pesi bongo bambote nangai na Rodo Rodrigue de Zurich, toujours sapé comme jamais. Dile Kabambi, la taille de l'homme, warrior et mannequin certifié. Fifi la douceur, Bundesliga, de longues jambes. Julia Georges, la grande dame de Colmar. JP Makoma de Winterthur. Un Moussingombe qui se respecte toujours meilleur. Guylaine Mesotiste de Paris, la directrice. Loti Funduize de Parigo. Salutations frérot. Ladissi Tamuprezo, le président d'Argovie, Suisse. Zulumo Grossel International. Amida Soumarou Gamirei, la sexy. Et pour ta tête féro, rendez-vous chez Flori à Zurich. Salon de coiffure homme, passage obligé. Alors, te koutani à la prochaine édition. Bye. Que la violence ne résout. Ok les amis, à mon tour ce soir, j'ai la lourde tâche de vous présenter l'homme qui combine carreaux et rayures. Oui, oui. Ce soir, pour vous, au chant, Colin.